Alors, le sport peut vous mettre en boule un dimanche autour d'une petite balle de golf et d'une joueuse transsexuelle, moquée par les rires chauves de journalistes de stade deuxième catégorie. Et avec, je l'offre directement à Marie-France, et roule ensuite un ballon de basket surdimensionné, surgonflé au dollar US, 66 millions sur 6 ans, soit 52 millions d'euros. C'est ce que touche le Français de San Antonio, Parker, Tony Parker. 52 millions d'euros. Oui, ça fait cher la passe. Donc ce basketteur, au panier copieusement garni. Oui. De quoi envoyer le foot, bouler avec Zidane et ses ridicules petits 6,5 millions d'euros annuels. Oui. Et que dire de cette petite balle jaune qui met les nerfs en pelote d'Amélie Mauresmo et de Lindsay Davenport et qui, telle une bille de mauvaise vie, hésite entre la case 1 et la case 2 comme sur une roulette de casino. Ensuite, pendant ce temps-là, le Vendée Globe entame sa cinquième révolution, tour du monde en solitaire de 24 000 milles, l'aventure qui virevolte autour du sport avec l'écologie en orbite et le rêve d'une planète océane, comme une larme, je vais vous décrire ce qu'ils font, comme une larme de 93 jours et 4 heures, soit le record du Vendée Globe établi en 2001, Odyssée de surface ou alors Ivresse des profondeurs qui nous ramène au record en apnée de moins 171 mètres de Loïc Leferme et ses poumons réduits à la taille d'une orange tout en bas. Et encore, c'est une grosse orange. Oui. Alors, culture oppressante du no limit, déboussolée les hautes sphères dirigeantes, isoler les sportifs renommés dans leur bulle de plus en plus hermétique, tourneboulés le public par des médias centrifugeurs. Malheureusement, on s'aperçoit que même si l'on a plani tout ça sur un fond blanc, symbole de pureté et de paix, auréolé des 5 continents pourtant unis dans une même rotation, eh bien on voit que moins le sport tourne rond, plus on aime y perdre la boule. Dis donc, c'est très joli ça, Brigitte. C'est tout ce que j'avais à dire. Un peu nostalgique aujourd'hui, un petit peu. Un peu, mais c'est aussi ce tourner boulet avec beaucoup de choses qui tournent autour de gros sous et où on oublie un petit peu les valeurs, j'allais dire, éthiques ou philosophiques du sport. Cette vision-là du sport, la vision de Brigitte, ça... Moi, je n'ai la vision que de Brigitte. Je n'ai rien écouté ce qu'elle a dit, mais j'étais sous le charme. C'est vrai qu'on est sous le charme. Merci beaucoup, Brigitte. On espère te revoir très vite sur le plateau.